Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous présenter aujourd'hui une Golf 4 Greenardo. Voilà, alors je sais que le Greenardo est une couleur très très à la mode en ce moment. Est-ce que c'est à cause de la chanson Shifter Pro ou Emagate? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est une couleur vraiment magnifique. Et donc aujourd'hui, on est avec un propriétaire passionné de sa Golf et qui va nous raconter l'histoire de sa Golf. Mais avant toute chose les amis, voilà, je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me donne toujours de la force à toujours vous trouver donc des projets, voilà, toujours plus différents, que ce soit supercar, voiture de luxe, des vieilles voitures à l'ancienne, des voitures de monsieur tout le monde. Parce que vous savez que sur la chaîne, on tourne de tout. Et donc voilà, n'hésitez pas à le faire et à vous abonner. Donc frérot, salut. Ça va? Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Alors tu sais que ta voiture m'a tapé à l'œil. Ouais. Voilà, c'est vrai que quand je l'ai vue, moi je suis très très fan de la couleur Greenardo. Ça me rappelle un petit peu la 206 qu'on a pu tourner sur la chaîne YouTube. Et donc du coup, voilà, c'est vrai que j'apprécie beaucoup ces voitures-là. Parce qu'en fait, c'est des voitures d'un petit peu monsieur tout le monde. Tu vois, on n'est pas dans du luxe, on n'est pas dans des valeurs de fou. Non, c'est pas taper du luxe, c'est pas trop mon délire, je veux dire. C'est ça, mais tu vois, en général, même ce sont des voitures qui sont très très appréciées de leurs propriétaires et très chouchoutées. Voilà, du moins comme je peux pour le moment, mais il y a un petit projet, on en parlera un peu plus après. Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur cette voiture frérot? Alors déjà, niveau esthétique, elle a une couleur Greenardo, ouais. Mais Greenardo assez spécial. Parce okay. qu'en fait c'est un mélange de Greenardo mat, ouais. Greenardo brillant, avec des paillettes violettes bleutées en plus de ça, qui D'accord. vont couvrir là, du coup la peinture. Ok. La peinture. Elle a des jantes JR9, c'est pas des BBS, c'est pas des vrais. D'accord, ok. C'est des JR9 en 8,5 de large, 16 pouces. Ah, mais ça le fait. Hein. Voilà, avec du ET35. Ok, ça voilà. nous fait un petit German look. C'est ça, mon but c'est chercher le German look. Ouais. J'ai un pare-choc avant de R32 de SR Tech. Ok. Très bonne qualité, en plus c'est un ABS, plastique ABS, assez résistant. Ouais. Voilà, ensuite des efforts, j'ai joué en fait avec un effet de lumière. Ouais. Effet de soleil, excusez-moi, plutôt. Pour en fait, comme là on voit pas, il n'y a pas beaucoup de soleil. Les ampoules bleues, quand le soleil vient taper dessus, en fait ça me met tout le contour de l'œil, je vais dire. D'accord. Bleuté. Ok. Voilà, je voulais jouer comme ça, je voulais passer sur du xénon, mais c'est trop vu. Oui, c'est clair. Du coup, j'ai apporté ma petite touche. Ouais, un truc original. Voilà, une petite touche. Bah, franchement, c'est propre. Ensuite, du coup, j'ai les coques de rétro peint noir. Ouais, très joli. Ça, c'est un noir R32. D'accord. Comme le toit, pareil. Comme le toit, ok. Ouais, ça le fait. Voilà. C'est vraiment la config magnifique en Greenardo comme ça. À l'arrière, j'ai des cales de vin aussi avec. Ouais, parce qu'elles ressortent bien, tes jantes. Regardez, les amis. Vous avez vu? C'est fat, ça ressort bien. Tu touches pas, frérot? Non. D'accord. J'ai réglé. Sur la derrière, je suis en Cony Sport en moins 35. Ok. 35-40. D'accord. Et devant, je suis en combiné filté, réglé à ma sauce. J'appelle ça deux doigts. D'accord, ok. Voilà, donc ça frotte pas. Je suis à la limite. Ok. Je suis vraiment à la limite. J'ai testé sur un Dodan, j'ai passé en dessous. Ouais. Je suis vraiment à ça de toucher, mais ça touche pas. D'accord. Je peux le passer tranquille. Ok, ok. Voilà. Alors, ensuite, elle a une sortie Rémus. Ouais. Elle a juste la sortie Rémus Inox. D'accord. Voilà, pour le plaisir du bruit, comme c'est une petite essence. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est surtout pour le plaisir du bruit. Et à l'avenir, pourquoi pas une petite prépa, mais ça dort encore dans les idées. D'accord. Voilà. Et des feux stop LED. Ah ouais, les petits feux stop, ouais, qui lui redonnent une touche de modernité. Touche de jeune, touche de modernité. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà, ils sont constamment allumés. D'accord. On va dire en défaut, mais ça les laisse allumer et c'est très joli, surtout le soir. Ouais, c'est clair. Voilà, ça m'évite de. Même la journée, des fois, quand il fait un peu sombre, c'est très joli. Non, franchement, ça le fait, ouais, voilà. Ça le fait. Après, des petits autocollants. Ouais, j'ai vu que tu étais fan de... Bah, disons, c'est 40 euros l'autocollant. Hein. Voilà, c'est ça, on le sait tout. Surtout GT2i, quand tu commandes, ta caisse, ça prend 40 euros. Celui-là, c'est le meilleur. Ton permis, tu l'as eu. C'est clair. Alors, pourquoi j'ai mis ça? C'est un coup de tête, un délire. Je l'ai mis comme ça. Bah, t'as raison, frérot, c'est ta voiture. Et quand les flics m'arrêtent, ils me disent, ah, ton permis, tu l'as eu? Je dis, c'est plutôt vous l'avez eu, votre permis. Parce que voilà quoi. J'aime bien jouer de temps en temps avec la petite blague. Ah, il faut pas trop jouer parce que tu sais que nos amis, la police. C'est ça. Donc, frérot, par rapport au moteur. Bah, comme vous le voyez, c'est un Elite 6SR, 100 chevaux, 8 soupapes. C'est un dérivé en fait d'un Golf 3 GTI, ça faut le savoir, petite anecdote. D'accord. C'est la base moteur d'un 2 litres, d'un 2 litres. Ouais. Qui a été remodifié pour passer en 1,6 litre et pour du coup faire la nouvelle motorisation de ces Golf. D'accord. Voilà. C'est un moteur qui est assez fiable dans l'ensemble. Alors, qui est très très fiable. Le seul petit point défaut qu'ils ont ces moteurs-là, c'est qu'ils consomment de l'huile. D'accord. Mais moi j'ai de la chance, elle ne consomme pas. Ok, d'accord.
Voilà, après c'est moteur Golf 3 GTI de base. Ouais. Et honnêtement, non, niveau fiabilité, ça reste un moteur échange de chez Volkswagen, ils sont très bons. Ouais, c'est clair. Voilà. Pour l'instant, le moteur est full stock, il a juste un filtre à air KN dans la boîte. Dans la boîte d'origine, ouais. Voilà, juste pour la sonorité. Mais à l'avenir, je pense faire une bonne petite prépa, je vais dire. Je vais mettre une collecteur, une ligne complète du collecteur jusqu'à la sortie en laissant le kata. Ouais. Pourquoi laisser le kata? Parce qu'en fait, on a un gain de couple à bas régime. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que tirer dans le haut, c'est si arriver vers le haut, comme en fait une éjection multipoint. Ouais. Il faut savoir que en fait, Volkswagen l'a réglé pour avoir tout vers le bas. À mi-régime, arrivé 5500 tours minute, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ouais. Voilà. D'accord. Du coup, c'est pour ça que du coup, je pense jouer là-dessus. Ouais. Je vais, du coup, je pense mettre une boîte à air de GTI, un peu plus grosse, pour avoir un meilleur gain. D'accord. Ou soit je mets une BMC complète. Ouais, quoi, carrément. Voilà, je me doute. Ok. Ensuite, je compte mettre un allumage MSD, qui donne un meilleur ampérage, des okay. bougies Iridium. Ouais. Et pourquoi pas aussi faire un petit stage 1 Fluxwell pour gagner un petit peu. Pour gagner pour grappiller 15-20 chevaux, mais c'est déjà ça de mieux. D'accord. Ça sera pas plus puissant, mais ce sera plus nerveux. Et, ouais, c'est ça. Et voilà. J'ai eu l'occasion d'en conduire une avec cette prépa là. Ouais. Et honnêtement, on les reconnaît pas. Ouais, elle reconnaît on les pas, reconnaît ouais. pas. D'accord. C'est vraiment un truc. Petite prépa, full atmo. C'est ça, full atmo. Alors, moi, je suis pas moteur turbo. Ouais. Pour moi, les meilleures voitures, les nouveaux sens, ce sont des atmo. Je confirme, frérot. Je confirme. Pour moi, je dis turbo, c'est bien quand on veut faire vraiment du gros gain de puissance et tout. Mais moi, je cherche surtout le plaisir, on va dire, pour la conduite. Le silence, un atmo, c'est plus silencieux à bas régime. Ouais. Et des commandes dans les tours. Ah, c'est jouissif, hein. Ah, c'est moi, c'est mon. J'ai grandi au volant de Golf GTI 1, 2, 3. Et je me vois pas sans donc, toi, tu es vraiment un vrai golfiste. Vrai, non, parce que je peux aller chez Volkswagen, enfin, chez Renault, c'est moi. Ouais. Mais j'ai une préférence vraie pour les d'accord, on ok. On va dire, je suis golfiste, ouais, à ma façon. Ok, ok. Donc frérot, malgré que tu n'aies pas une grosse prépa sur ta voiture, tu as quand même quelque chose de bien préparé. Mon petit son, voilà, j'ai un caisson en fait, caisson alpine, mais focal à micro. Ouais. Bon, là, si tu veux, je le sors, mais... Non, mais te casse pas la tête. Ouais. Avec du coup, un ampli 800 watts, ouais. 850 exactement, et le focal, lui, je pense qu'il est aux alentours de 2002-2003. D'accord. Et franchement, ça tape plutôt pas mal. Ça tape plutôt pas je mal. Je sors avec, j'ai fait un test avec mon cousin. Je sors avec 145 décibels à peu près. D'accord, pas mal. Avec j'ai aussi un kit éclaté à tout l'avant de la voiture de devant. Ouais. J'ai un kit éclaté focal alpine. Okay. Et derrière, je suis en championnaire. D'accord, donc voilà. Un bon son pour kiffer. C'est ça, c'est mon petit plaisir, écouter des fucks à l'année 80. Hein. Ça, c'est rien bon. Rien de mieux, quoi. Ça, c'est bon. Donc, frérot, ta voiture est équipée d'une option qui est très très rare. La voiture pisseuse. Voilà. Donc ça, c'est une option rare. Unique au monde. Unique au monde. C'est bon. Et on voit bien le G. Ça sert bien. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique Golf qui est équipée donc d'une clim électronique avec un beau double jean. Donc on est quand même dans une petite touche de modernité. Ouais, c'est... Donc frérot, moi la question que j'ai à te poser, voilà, je voudrais que tu me dises tout sur cette voiture. Par exemple, voilà, la puissance fiscale sur la carte grise, l'assurance. Ok, concernant la carte grise, c'est une 7 chevaux fiscaux. Ouais. Faut savoir qu'elle a 21 ans quand même, du coup c'est chevaux divisés par deux pour ouais. la carte grise. C'est ça. Pour la carte grise, moi j'étais assez surpris quand je suis parti la faire. Je suis parti la faire chez Neuroauto, il y a à savoir que Neuroauto prenne 30 balles en plus pour la faire changer. Ouais. Elle m'a coûté exactement 147 euros et des broutilles. Ouais, gratuit quoi. Voilà, pratiquement. Ouais. Voilà, après niveau assu, je suis pas en tout risque, mais je suis en tiers plus. Je d'accord. dis plus parce que en fait, j'ai négocié le contrat et en plus de ça, j'ai quelques options du tourisme et j'y suis pas. Ouais. Je paye 57 balles tous les mois. Ah, franchement, c'est propre. Voilà. Hein. Voilà. C'est très propre. J'ai 2 ans de permis, j'ai fait une conduite accompagnée, du coup, c'est pour ça que je paye pas trop cher. Ouais. Voilà, du coup, concernant ça. Après, un moteur, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je suis en 100 chevaux. 100 chevaux, ouais. Voilà, tout rond, pas d'accord. plus, pas moins. Après, concernant l'équipement de la voiture, j'ai 4 vitres électriques, climatronique. Je l'ai acheté avec un double jean, moi, pour le son. Le porte-gobelet, attention. Le porte-gobelet qui marche, qui ça fonctionne. Se voilà.
Et après, voilà, volant 3 branches en cuir, mais il faut que je le rénove un petit peu parce qu'il est un peu craqué. Ouais, typique, normal. À 21 ans, ciel de tour qui se décolle. Bon, ça, c'est ma dit de toutes les Allemandes. Ouais, franchement, ouais. Moi, sur ma voilà. 36, j'ai la même. Enfin, j'ai eu la même. Et après, niveau tarif, je sais que les Golf, les 10SR, tournent autour de 1000, 1005, voire 2000. C'est vraiment un excellent état. Ouais. Moi, dans cette configuration-là, la mienne me revient environ à 1500 €. J'ai eu la chance de faire une petite affaire. Ouais, tu as fait un bon petit coup. Voilà, ouais. Mais après, honnêtement, c'est pas très cher. Entretien, c'est pas cher non plus parce que les pièces sont produites. Franchement, tout ça, il n'y a rien à dire. Ouais, le moteur est fiable, ouais. Les consommables sont quand même assez bons. En plus de ça, même pour les disques de frein et tout, mais moi d'ailleurs, en disque de frein, ça je te l'ai pas dit, je suis en frein Brembo dessus. D'accord. J'ai frein Brembo par un tiroulis, tout ça, et franchement, les pièces, on le paye vraiment pour une misère. Enfin voilà quoi. Là, c'est l'avantage de ces voitures. L'avantage d'avoir une petite bagnole, on va dire, de monsieur tout le monde, et du coup, dès qu'on modifie un petit peu, un pare-choc, une jante. Ça y est, voilà, ça, en tout cas, elle a ça un look, fait un petit look. Voilà. Grave. Ben, mon but, c'est de faire un German look, mais un peu plus modernisé, parce qu'en fait, à l'arrière, je vais mettre un pare-choc Airline. Attention, pas R32. Ouais. La différence du Airline, en fait, il est carré comme le R32, mais le diffuseur et le bas n'est pas du tout pareil. C'est un peu un cul de Polo 5. D'accord. Voilà. Okay. En double sortie V6, comme la V6, pour avoir une touche modernité. Ouais. Et je pense, pour ajouter ma petite touche, pour me démarquer de, un peu de tout le monde, je pense mettre un aileron de Golf 7R. D'accord. Pourquoi un Golf 7R, ça se modifie, ça, y a 2 cm de trou, pour le couper, on modifie la patte pour pouvoir le fixer, pour donner une petite touche de modernité et pour changer, parce que tout le monde est du R32 ou du GTI 27, ouais, c'est clair, 25 c'est clair. Anniversary. Et c'est pour changer une petite touche d'originalité, voilà, pour dire c'est ma petite touche à mon gars. D'accord, ok, voilà. Ok, ben franchement, hâte de voir cette petite modif. Voilà. Frérot, comme on l'a dit, donc ça fait 100 chevaux et donc j'ai jamais connu cette motorisation. Moi, mon père, il a le TDI 100 et honnêtement, c'est une motorisation qui va très très bien en essence. Je pensais que ce serait anémique, mais pas du tout. On a quand même une bonne reprise en bas régime, même si c'est pas un TDI. Le frérot nous fait tester son châssis. Et donc franchement, pour le coup, c'est vrai qu'on a une bonne reprise en bas. Et forcément, c'est un essence, hein, donc ça va chercher quand même les tours, c'est assez rageur. Mais pas mal, franchement, bien. 100 chevaux, je pensais pas que ça marchait comme ça. Et par contre, je sens que tu as un bon châssis quand même. Alors châssis, bon, ça c'est le débat qui fait sur les Golf 4. Le châssis, excuse-moi l'impression, il est pas tip-top sur celle-ci, parce qu'en fait, on a tendance à beaucoup s'ouvrir de l'avant. Ouais, c'est clair. Mais en fait, il faut l'aider, entre guillemets, on lui met 4 amorteaux des jantes. Et là, on voit que justement, le Golf, ça avale les courbes. Et là, à ce moment-là, il va commencer à bien se placer, à bien mettre les courbes. Moi, à l'avant, je suis en combiné fileté. Ouais. Voilà, il y a la rèche en conisport avec des ressorts courts en torage ferme. Et je suis en moins 40 à peu près à l'arrière. D'accord. Devant, okay. Je peux pas te dire combien je l'ai baissé. J'ai mis un niveau, je l'ai baissé de temps, ouais, parce ouais, que ouais. Moi, je... Ma Golf, faut que je passe 2 doigts au niveau des roues pour être, je sais que je suis là, à ce moment-là, je suis tranquille sur les 2 dalles. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est ça. Ouais. Niveau châssis, non, ça merde pas mal. Tout le monde dit, ouais, Golf 4, c'est de la merde en châssis. De toute façon, Volkswagen, ton châssis de merde. Mais en tout cas, il tape des chronos sur son nerf ou quoi. C'est quand même, ça reste de bonnes bagnoles. Ouais, c'est clair. Si on l'aide un petit peu, on tient quelque chose. C'est clair, moi, je sais que celle de mon cher papa a tendance un petit peu à pomper un petit peu. C'est ça. L'avant prend la courbe, ouais. Et d'un coup il va décrocher, il va partir complètement c'est droit. Ça, c'est et, ça, et c'est l'arrière, ça. Lui, l'arrière a tendance à partir. L'avantage d'avoir mis les cales, ça change la conduite. Ouais, mais grave. Ça change vraiment. Moi, je sais que mon père, quand je le suis et qu'il prend des ronds-points, je le vois, la voiture, elle est comme ça. Elle est, c'est ça, elle est un peu en PLS, elle penche.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ça nous aura donné l'occasion de découvrir une petite Golf vraiment très sexy avec sa couleur Grinardo. C'est un projet quand même qui est assez unique et c'est vrai que c'est juste magnifique. Voilà, de voir des caisses comme ça, choyées et bien entretenues par leur proprio. Et voilà, donc ça, je vous encourage tous à continuer à faire des projets de cette sorte-là. Et voilà, comme on a dit en début de vidéo, même si c'est pas des grosses voitures ou des supercars ou du luxe, nous on aime bien sur la chaîne YouTube passer un petit peu de tout. Donc voilà. Frérot, merci beaucoup. C'est avec plaisir. Voilà, franchement, tu as assuré et honnêtement, ta voiture est vraiment magnifique, merci, magnifique. C'est gentil, merci. Ouais, ça le fait et ça fait plaisir de voir une Golf comme ça. Bah écoute, si ça permet d'aider certaines personnes à faire un petit projet, ouais, c'est moi ça, c'est avec ça. Plaisir. Si je peux te ramener cette passion, c'est avec grand plaisir. Eh ben écoute, merci beaucoup frérot en tout avec cas. Plaisir. Et voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.